Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce moment de présentation des vœux 2021. Ils sont très particuliers, ils sont liés bien sûr à la crise sanitaire et j'aurais tellement été heureux de pouvoir vous recevoir au centre de congrès pour ce moment de convivialité et de partage qui marque bien sûr le début de l'année et notamment de cette année 2021. L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire exceptionnelle, majeure. Et la ville de Saint-Quay-Portrieux a été au rendez-vous pour vous accompagner dans le domaine, bien sûr, de la solidarité et dans le domaine de la santé. Solidarité auprès de nos aînés, auprès des plus fragiles et des plus vulnérables. Solidarité envers nos commerçants, nos bars, nos restaurants et tout le monde économique. Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles qui se sont manifestés et qui nous ont accompagnés, ainsi que les services municipaux et l'ensemble des élus. 2020 a été marqué par les élections au mois de mars, dans encore un contexte sanitaire un petit peu compliqué. Et je vous remercie de m'avoir de nouveau réélu et merci bien sûr de m'avoir confié la responsabilité de mener les projets de la commune de Saint-Quay-Portrieux. 2021 s'annonce d'une manière très particulière, puisque bien sûr l'épidémie n'est pas terminée. Il y a nécessité de vacciner l'ensemble de la population et d'acquérir une immunité globale pour se protéger les uns les autres. Nous devons être prudents aussi pour le budget 2021, puisque le casino est fermé, il représente une grande part de nos ressources. On espère, et c'est déjà bien engagé, une compensation de ces pertes de recettes par l'État. Une année aussi de transition, puisque nous allons poursuivre les investissements déjà engagés, comme le centre technique municipal, l'ouverture de la station d'épuration, l'agrandissement du centre de santé, la réouverture de la bibliothèque, et bien sûr, un certain nombre de questionnements sur le rétablissement de la continuité au niveau des falaises, qui est la vitrine de Saint-Quay-Portrieux. Donc un budget très simple, un budget certes prudent, avec beaucoup de responsabilités. Une année de transition aussi, puisque malheureusement, un certain nombre de manifestations, qu'elles soient culturelles, sportives, même associatives, ne pourront peut-être pas avoir lieu, notamment lorsqu'il s'agit de grands rassemblements, tant que nous n'aurons pas la certitude que chacun d'entre vous peut être protégé. Notre objectif, c'est que 2021 se passe bien pour chacun d'entre vous sur le plan santé, surtout qu'on n'ait pas de complications, qu'on n'ait pas de personnes hospitalisées. On sait que l'équipe municipale, et je la remercie, sera bien sûr au rendez-vous en termes de responsabilité, en termes de disponibilité et de proximité. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle et heureuse année. Protégez-vous, protégez vos proches et vos amis. Nous serons à vos côtés toute cette année et je sais que nous allons nous retrouver prochainement pour des moments de convivialité et de partage.